Et c'est reparti pour une nouvelle vidéo des gros gars. Cette semaine, on se retrouve au centre d'escalade de Dévers à Magog, définitivement l'un de nos centres préférés à moi et à ma copine que vous allez justement voir un peu plus tard dans la vidéo. Donc, sans plus tarder, vis rouge avec des prises juste assez bonnes, mais sans trop. Vous allez voir, la prise de départ est vraiment intelligemment placée. Elle est pas assez bonne pour nous permettre de tirer avec la main droite pour accéder à la prochaine prise. Donc, pas le choix, mouvement dynamique vers la droite comme ça, et voilà. Et dans la première scène que vous avez vue, hop, j'ai tombé à ce moment-là parce que mon corps était trop éloigné. La prise de réalisation est super pas bonne. Donc, il n'y a pas le choix de garder le corps assez collé au mur pour qu'elle soit juste assez bonne. Ensuite, écoute, c'est plus de figurer comment monter sur des mauvaises prises, le top out. Vous allez voir, je cherche un petit peu, mais finalement, trouver la solution, c'est un peu épeurant, mais ça se fait super bien. Et oui, autour de ma magnifique femme de faire une V4 verte dans la section du top out. Je vais vous avouer, elle fait pas mal mieux que moi ce problème-là. Elle est tellement bonne. Donc, pour de vrai, il n'y a pas grand-chose à dire, tout est assez straightforward. Fait que je pense que je vais juste vous laisser profiter et admirer Marie dans sa grimpe. Prochain problème, V6 avec les prises orange, avec un magnifique sit start, que j'aime ça. Ensuite, que dire de ce problème? Les prises ne laissent pas toute la place aux doigts, mais ils sont quand même bonnes. Ensuite, regardez ce mouvement-là, tellement beau. On génère du momentum vers la gauche pour ensuite générer vers la droite pour rentrer la main dans la prise droite. Mais il faut arriver comme avec un contrepoids à gauche, sinon ça ne se tient pas cette prise-là. Donc, c'était vraiment le crux du problème, mais c'était magnifique. Ensuite, hop, on n'a pas beaucoup de pieds, mais le module tellement bon. Pas de problème, on se débrouille avec une sortie de toit assez facile. C'est parti, la light de la soirée pour Marie. La jaune V4, elle a adoré. Premier move, juste main gauche pour me remonter à main droite. Et voilà, petit mouvement dynamique. Elle a adoré ce mouvement-là. Elle sentait femme quand elle faisait. C'est vrai, et voilà. Et regardez ça, tellement facile pour elle qu'elle utilise un pied. Pourquoi pas? Elle était forte de même, la fille. Ensuite, on monte. Petit problème au top-out. Encore une fois, les top-out, ça peut être effrayant. Mais plus qu'on en fait, plus qu'on est habitué. Mais vous allez voir, on va chercher un petit peu la solution. J'essaie de l'aider en arrière. Puis on va le trouver. Puis on va finir ça assez facilement. Et oui, le jumpstart, et voilà, pour vrai, que dire, tout se passe dans le premier mouvement dans le fond, on part à courir, saute sur le premier module pour arriver au deuxième, et ensuite, oh c'est la honte, oh, un genou, non, mais bon, j'avais pas le choix, j'étais incapable de monter un pied, donc hein, on utilise tout ce qu'il faut pour réussir, hein. Et c'est parti, projet de la soirée à Marie, V5 mauve. Les prises sont à peu près un pad de doigt, assez sloppy, donc c'est pas les meilleures prises au monde, ils se tiennent, mais c'est pas les meilleures. Donc première chute ici, bon, je pense que c'était juste un manque d'énergie, ça les a kick track à donner. Et ensuite, on va avoir un petit peu plus, une meilleure tentative ici. Donc, départ standard, main droite, hop, et voilà, par les pieds, ça n'aide pas pour l'énergie. Ensuite, on monte, hop, ici c'est comme un petit spin, c'est deux petites prises qu'on va tenir avec le pouce et les doigts. Main droite, et quand je vous dis que les prises sont pas si bonnes que ça, vous allez voir, elle se voit plus, hop, un petit peu trop dynamique, et elle perd la prise parce qu'elle n'est pas super super. Ensuite, meilleure tentative à Marie. C'était tellement proche, et pour vrai, je vais dire que je suis tellement fier qu'elle s'est élancée pour le dernier move. Je sais que ça fait peur pour un dernier mouvement d'aller aussi dynamique, mais le fait qu'elle a essayé, waouh, super cher d'elle. Le seul problème, c'est que je pense que c'est la pire prise du problème. Donc, comme vous allez voir, dans quelques secondes, malheureusement, ça collera pas, mais et voilà. Hop! Et non! Mais félicitations, avec un petit peu plus d'énergie, je suis certain qu'elle l'avait. Jolie V6 avec des grosses prises bleues, mais laissez-vous pas avoir, pas parce qu'ils sont grosses qu'ils sont bonnes. Oh no! Ils sont vraiment pas certes que ça. Donc, avec un mix de plus d'énergie et de mauvaises lectures de problèmes, je réussirai pas ce problème-là. Des fois, il faut que je monte des échecs aussi, hein? J'y réussis pas tout, ben non!
Donc vous allez voir, écoute, pour vrai, là vous voyez pas beaucoup parce qu'il commence à faire noir, il y a une prise juste en haut avec ma main gauche que je vais aller chercher, mais je vous laisse aller dans les commentaires, d'après vous, qu'est-ce que j'aurais dû faire à ce moment-là? Pourquoi j'ai pas réussi? Allez! Déjà le dernier problème de la vidéo, ça va tellement vite. Donc, cela est identifié comme comb style problem. Donc, il n'y a pas de cut. Mon estimation, c'est à peu près V5 parce que les volumes étaient vraiment généreux, puis une sandale. Donc, on avait quand même droit à beaucoup d'erreurs. Donc, vraiment, le seul mouvement le plus difficile, c'est celui-là qui s'en vient. Move de coordination. On va chercher une porte de grange. Hop, on va serrer avec le pied gauche pour fermer cette porte de grange-là. Et ensuite, c'est quand même assez simple. Les prises sont bonnes. On monte les pieds et on s'en va matcher le module en deux clean. Et voilà. Je vous dis salut, merci d'avoir écouté la vidéo complète. Comme d'habitude, likez, subscribe, puis on se revoit la semaine prochaine. Allez, à plus!